Salut, bienvenue sur ma chaîne GB Automobile, si vous êtes nouveau abonnez-vous. Aujourd'hui on parlera de l'identification des relais en automobile, et de leur contrôle. Dans les relais on en trouve des non protégés et des relais avec protection de type résistance ou diode. Les relais sans protection. Relais simple circuit. Caractéristiques. 5 broches. Un circuit de puissance. 2 sorties en 87, c'est-à-dire vous pourriez alimenter deux circuits différents simultanément avec ce type de relais. Le contrôle de continuité sur la commande doit produire des sifflements, ainsi que sur la borne 87 et 87, pas contre la borne 30 et 87, la continuité doit être nulle. Relais simple circuit. Caractéristiques. 4 broches. Un circuit de puissance. Relais double circuit. Caractéristiques. 5 broches. 2 circuits 4 de puissance, contact repos et contact travail. Ce type de relais est à ouverture, et à fermeture, lorsqu'il est activé un circuit est fonctionnel, tandis que l'autre ne fonctionne plus, et vice versa. Les relais avec protection. Lorsque l'on arrête de commander un relais et que son contacteur se coupe, il se crée un pic de tension élevé, voire courant de self, pouvant entraîner des dommages au calculateur et autres organes électriques. Il faudra pour éviter les problèmes toujours les préférer aux relais sans protection. Relais avec résistance. Caractéristiques. 5 broches. Double circuit de puissance. Protection du relais par résistance, le contrôle de continuité sur le circuit de puissance, doit afficher une valeur de résistance qui varie, pas contre sur le circuit de puissance la continuité doit être nulle. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, et à bientôt pour une prochaine vidéo.